Vive Haïti, présenté devant la presse, pour nous parler, continuer à parler avec la société. Matin, nous levons pour nous faire conférence de presse ce matin. Mais nous réfléchissons 50 000 fois. Parole ça yo, n'a dit à qui ça va aboutir. Parce que tout message qui est lancé, c'est comme si en deux oreilles société, ni moun qui a dirigé nous, parole là sorti nos oreilles, ni sorti nos l'autre. Donc, finalement, nous dit qui est terrain continue à gagner pour nous parler, pour nous prêcher. Mais si nous tous rivons fermer bouche nous, est-ce que nous avons plus mal? Est-ce que nous ne pouvons pas un jour nous disparaître? Et c'est pour raison ça. Nous ne pouvons pas un bon jour pour nous lever nous pays nous. Pays des salines, un pays chargé à l'histoire. Pour nous lever un bon jour, pour nous être sous génération par nous, pays ça disparaître. Et nous décider. Pour encourager nous à demain matin encore à travers la conférence de presse pour nous venir dire société pour nous venir dire leader politique pour nous dire toute force organisée en dehors au seul bagaille nous mêmes au niveau Vive Haïti nous demandons en mettant ego nous de côté avec orgueil nous pour nous résoudre cette guerre là. Puis gros problème des paysans, je vous dis, c'est l'insécurité. Il y a toute qualité de problème. Mais puis gros problème, c'est l'insécurité. Les Ariel devinent, le peuple là, qui ont toujours fermé les yeux, fermé les oreilles, il t'a observé dans l'esprit pâle, PM Ariel, t'es qu'à résoudre le problème de sécurité. Et si PM Ariel, l'aile montée, elle te résout le problème de sécurité, la population, le peuple a ta pression, notre plus bon premier ministre qui passe dans le pays. Et pas résoudre, et bien la population, c'est le plus mauvais monde qui te passe dans le pays, comme dirigeant. Rappelez-nous, environ 15 jours, depuis que nous avons à travers un dialogue, une négociation qui fait. Gagné une institution qui est arrivée à créer, qui est HCT. HCTA, il y a un pile gros dans la population en contre, en la société en contre. Mais il y a deux personnes qui ont observé HCTA. Si HCTA il fait bec à terre, il peut jouer une opposition qui est en face de pire que ça a gagné sous Jovenel qui a gagné sous Ariel là. Donc, HCTA, n'a pas demandé. Côté OEA, c'est pour un cadeau. Ce n'est pas dans l'élection. Mais c'est un pile groupe au niveau de la société qui entend dans le goût chercher une solution avec la crise. Il est arrivé à coucher HCTA. Mais HCTA, je dis, il est pour responsabilité. Pour un bâton pèlerin. Rencontrer toute force vive dans le pays. Parler avec la société pour nous comment arriver nous, entendre nous à travers un vrai dialogue pour nous résoudre le problème qui est là aujourd'hui en pays. Lorsque parler de dialogue, ou parler avec la classe politique, là, avec la société civile, là, pour nous rencontrer avec Ariel, il y a un seul bagage qui dit Ariel son menteur, Ariel son bluffeur. Mais nous-mêmes, au niveau Vive Haïti, nous pas qu'à confirmer s'ils sont bluffés, s'ils sont menteurs, parce qu'ils ne parlent pas de négociation avec lui. Mais HCTA, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire qu'on tient qu'à le bénéfice toute la population. Et à travers Mme Manika, nous demandons pour battre les pèlerins. Nous avons rencontré divers secteurs dans le pays. Pour nous avoir une véritable table ronde pour nous comment nous parler. Poser le problème pays, c'est une carrière de solution avec lui. Que nos logiques sanctionner haïtiens qui sont dans le pays, ils prétendent dire que les bandits sont sam.
pour créer insécurité dans le pays. Question à poser. Zam sa yo, haïtien yo, abay avec bandi yo, qui côté zam yo sorti? Est-ce que c'est dans le jardin paysan yo zam yo sorti? Zam yo sorti à l'étranger, la kayo. Combien moun la kayo? Yo sanctionné, qui a favorisé zam entre dans le pays. Yo pas fait. Yo vle nous faire comprendre l'autre bagarre dans le pays. C'est ça fait nous dire, sanction blanc, ni presque pas itinéraire. Tout autant blanc pour sanction, gang yo vin pi criminel, gang yo vin pi arrogant, gang yo fait plus kidnapping. Donc, moun blanc sanctionné yo, pour nous-mêmes, ce n'est pas véritable moun yo ça. Ta semble véritable moun kap sanction, kap bay gang yo zam yo, blanc zine caché yon kote. C'est chaque jour, bandi ap mette de dans yeux. Me rappelé la semaine dernière, à 1h du matin, il y a 2-3 amis dans le verre après l'homme. Il a demandé tant pour les autorités pour ne pas capable encore. Il a crié tant que c'est Simon Piti. Je vais en côté me dépasser. Je dis à tout le monde, c'est rager au plan. Le département de la Tibonite, nous te dit, c'est grenier développement pays d'Haïti. Je dis à département vinon, département qui pipof. En d'un pays, parce que gang empêche paysans de planter. Gang empêche paysans de faire jardin. On sait des canals qui étaient pour monter pour noyer là-dedans longtemps. Grand monde pour petit monde. Je veux dire, même cabrit par une blonde dans le canal, ça pour boire. Parce que pays bandits ont bloqué. Mais finalement, ce qui s'en a fait. Et c'est pour raison ça, encore une fois. Nous venons demander avec toute force vive en d'un pays. Anblie egoun, anblie orgueil, an nous tous nous chita ensemble pour nous ça n'a fait, pour nous résoudre le problème pays. Parce que pays va quand même. Pour finir, de 1974 à 2023, et une autre fois encore, dans le niveau football là, jeune Timé Damio, pour faire l'histoire. Côté pour la première fois, je vais participer dans la phase finale Coupe du monde féminin qui va le faire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avant hier, nous tous nous avons regardé, c'est un merveille extraordinaire, gentil mesdames, jeunes mesdames, nous avons joué pour en face pays Chili, pays qui est bien organisé, pays qui investit tout bon dans le football. Eh bien, nous disons, mesdames et messieurs, bravo, félicitations. Et vous-même, je tiens à qui joue le rôle ambassadeur pour l'image du pays d'Haïti, nous demandons de beaucoup de pays. Pour vous, à chaque fois que vous avez l'occasion, pour vous parler avec la société haïtienne. Vous avez mis de l'eau dans les yeux de la population. Vous avez mis des âmes pour faire, pour créer des autres, pour tuer les gens dans le pays. Pour vous demander le tout. Parce que nous pensons voir par yo la paix portant de la sonne dans les oreilles. Mesdames, nous l'autre fois encore, nous félicitons nous et nous même au niveau Vive Haïti, nous prions pour nous le 20 juillet, nous allons rentrer dans la Coupe du Monde là, pour nous ancêtres, pour nous dans le ciel là, pour les Haïtiens, accompagner nous pour nous sortir bien dans la Coupe du Monde. Merci beaucoup.